J'aurais dit tous mes arlequins. Les arlequins. T'achètes arlequins tu... Ah, c'est plein des histoires d'amour. Ah, c'est vrai. Mais il y a des histoires hétéros. Hein oui, mais moi je prends plein d'hommes. Moi je fais la dame. Vous avez quelques titres de romans Harlequin à nous conseiller? Il y avait les Visconti et Maurice. Y avait, Lady Visconti et Maurice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague. C'est la Lady Chatterley prend les pauvres. Tu lisais ça dans l'avion de temps en temps quand t'étais steward? Il y avait la belle époque de la Toscane. Ah oui. Il y avait des... T'es beaucoup sur l'Italie, hein? Oh bah non. Mais il est sur ce qu'il peut maintenant. Le romantisme, il est un peu partout, tu vois. Mais moi j'aime bien, c'est des belles histoires. Hein. Mais comment vous occupez autrement dans votre journée, alors, monsieur Janssen? Quand vous venez pas ici, évidemment. Oui. Eh bah, ben là, j'en suis à laver les murs, hein, quand même, hein, parce que... c'est si sale. Non. Ça vous fait des souvenirs. Je redécouvre mes appareils ménagers. Vous goûtez, tiens, ça c'était... Ça, c'était le Maxime de Pierre Palmade. Ça, c'est quand Pierre Palmade était venu la première fois. Ça, c'est Mustapha. Ça, c'était Roselyne Bachelot, elle a oublié sa culotte. Non, moi, j'ai lavé mon micro-ondes. Je fais du vaporetto. Pardon. J'ai lavé mon micro-ondes, c'est génial. Vous savez qu'on peut laver son micro-ondes en mettant un bol d'eau chaude avec du vinaigre dedans. Le mets à chauffer pendant 3 minutes. Tu ressors, un petit coup d'éponge, tout s'enlève. Voilà. Et toutes les saletés. Ne jamais mettre de Javel dans un micro-ondes. Ça fait cailler la peinture, ça vous le savez. Ah bon, je le dis pour tous les gens qui nous écoutent, si tu mets de la Javel dans ton micro-ondes, ça fait cailler la... Bah, il est pas à ton micro-ondes dedans. Pas à l'intérieur. Bah si. Bah, comment ça, la peinture, il n'y a pas de peinture à l'intérieur. Les mailles. Contrôle crépi, lui, il a... Mais t'as raison, ça fait sauter les mailles. Voilà. Ah, comme les dents. Alors. Et c'est comme les carreaux, pour ne pas faire de traces. Moi, j'ai ma méthode, c'est la méthode Gutenberg que j'appelle ça. Allez-y. C'est tu laves tes carreaux à la vapeur ou au glacex, ce que tu veux. Mais après, pour ne pas qu'il y ait de traces, tu prends du papier journal et tu frottes comme ça que le papier journal dans tous les sens, ça retire toutes les traces. Ça s'appelle ça la méthode Gutenberg. Ah ouais. C'est d'accord. Grâce à la primerie. C'est la seule façon dont tu utilises les journaux, quoi. Les petits conseils Harlequin.